Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va faire un unboxing, un déballage d'une drifteuse vendue en RTR. Avant de commencer, franchement, j'aimerais vous solliciter pour le petit pouce si vous kiffez mes vidéos. Ça n'engage pas à grand chose et moi, ça me permet d'être bien référencé sur YouTube. Pareil, si vous voulez si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Franchement, j'essaie de répondre dans la mesure du possible, enfin, le plus rapidement possible. Je vais en profiter aussi pour passer un petit coup de pub pour une petite boîte là, avec qui j'ai eu l'occasion de bosser quelques fois. En fait, c'est la personne qui me fait mes stickers pour finaliser mes projets, comme vous voyez tout, plaque d'immatriculation, etc. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, c'est Little Car Addict. Je mettrai le lien de son groupe Facebook dans la description. Voilà, vous pouvez lui faire faire des stickers personnalisés, comme moi j'ai eu l'occasion, voilà, comme vous pouvez voir là, il m'a fait les stickers RC Gang, qui sont d'excellente qualité, à des coûts très abordables. Franchement, j'insiste là-dessus parce qu'il est vraiment pas cher et le boulot est exceptionnel. Voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai diverses planches de stickers, des sponsors, etc. Il bosse vraiment très bien. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, petite parenthèse, je vous le rappelle, Little Car Addict, le lien dans la description, allez jeter un œil, vous verrez, ou discutez avec lui, il est à l'écoute de vos projets. Donc voilà, la petite parenthèse est finie, je vais vous parler du MST MS01D. Donc c'est une drifteuse vendue en RTR chez MST. C'est un excellent rapport qualité-prix pour à peu près 300 €. Vous avez cette drifteuse. Voilà, vous avez tout, carrosserie, combo, commande. Et en plus, c'est un excellent châssis qui, déjà d'origine, possède quelques petits détails, quelques petites pièces mécaniques qui sont en option sur d'autres modèles. Franchement, on verra ça un peu plus tard quand j'ouvrirai la boîte. Je voulais vous parler d'MST. MST, c'est une excellente marque qui fait des super scales. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de tester leurs produits. Franchement, c'est du super bon matos à des prix très très abordables. En fait, c'est la marque haut de gamme de chez Tamiya, MST tout simplement. En fait, c'est du Tamiya haut de gamme. Donc voilà, là en l'occurrence, j'ai choisi avec ce kit RTR la carrosserie Nissan Silvia S15. Donc on va ouvrir ça, on va regarder un petit peu ce qui se cache à l'intérieur ensemble. Je reviendrai sur les parties, les points un peu plus techniques tout au long de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ces fameuses options en fait qui sont d'origine dessus. Vous verrez, c'est très simple. Franchement, si vous voulez débuter dans le drift et vous voulez pas vous casser la tête à acheter un kit combo, carrosserie, etc., c'est un excellent rapport qualité-prix. Et elle fait vraiment le taf. Moi, j'ai pu l'avoir à plusieurs reprises en action et franchement, elle n'est pas ridicule face à des très grandes marques comme Yokomo ou comme les trois Racing, les Sakura, etc. Donc voilà, on va passer à l'unboxing. Je vais pas vous saouler plus longtemps avec ça. On passe tout de suite, on ouvre la boîte. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la boîte. Donc on nous parle, voilà, on nous explique qu'il y a des roulements, que c'est une transmission par courroie, ça c'est très bien, et qu'il y a un one way et un CS, c'est les petites options dont je vous parlais. Donc le CS, en fait, pour simplifier, je vous explique ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. Pour certains, ça va paraître évident, mais tout le monde ne connaît pas. Donc le CS, en fait, c'est une petite partie mécanique qui va démultiplier en fait la transmission en fait de l'avant par rapport à l'arrière. Tout simplement, en fait, vous allez avoir les roues arrière qui vont tourner un petit peu plus vite selon le ratio que vous choisirez sur les réglages et qui vont tourner un peu plus vite que les roues avant. Donc ça va permettre à la drifteuse en fait d'avoir un dérapage sans trop forcer et en plus elle va avoir un comportement plus ou moins comme une deux roues motrices tout en ayant la stabilité et la facilité de pilotage d'une 4 roues motrice. Voilà, on fait le tour de la boîte. Donc comme je vous expliquais, la petite Silvia qui est très jolie, c'est un modèle assez beau, le S15. Donc voilà, là vous avez des détails sur toutes les parties mécaniques. En fait, vous avez quelques pièces alu, la transmission par courroie, les cardans en métal, les roulements, le one way. Donc l'utilité de cette pièce là, c'est que lorsque vous lâchez les gaz lors d'un drift, vous allez avoir les roues arrière qui bloquent légèrement
comme si vous tiriez le frein à main en fait sur une vraie drifteuse en fait. C'est pour avoir cet effet de blocage de roue arrière. Voilà. Donc ça fonctionne avec des roulements à billes qui se bloquent, etc. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Donc une planche de stickers avec le manuel. Donc des beaux stickers. Encore des stickers. Voilà, vous avez quelques pièces de rechange et un outillage, je ne sais pas ce que c'est, j'ouvrirai tout à l'heure. Donc là, vous avez la gamme de modèles disponibles en carrosserie. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci, la S15 Nissan Silvia. Donc vous avez de très beaux modèles, hein, BMW, vous avez pas mal de japonaises, bon, drifteuse, rien d'étonnant. Le joli M3. Donc voilà la carrosserie, très jolie Silvia, très très bien réalisée, réaliste, très très belle. Les stickers d'origine, enfin les plus soft sont déjà posés, comme les poignées de porte, les tours de vitre, voilà, etc. Je pense qu'il doit y avoir des buckets pour les feux, parce que ils sont clairs. Donc ça, c'est une bonne chose. Le Lexan est d'excellente qualité. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est la marque haut de gamme de chez Tamiya. Mais je pourrais pas dire autant des carrosseries Tamiya qui sont quand même de moins bonne qualité. Là, le Lexan, il est vraiment épais. Elle peut encaisser largement les chocs. Donc voilà, je parlais des buckets pour les feux. Donc voilà, ils sont là. Vous avez le kit bucket pour pouvoir placer les feux à l'intérieur de la carrosserie. Et ça, c'est très chouette. Parce qu'en plus, ils sont bien chrome, ça va faire très joli. Donc voilà, vous avez des petits accessoires tels que l'aileron, les rétros. C'est des accessoires de finition pour embellir cette jolie carrosserie. Donc là, on a la commande. Donc on va voir ce qu'elle donne. Voilà, commande 2,4 GHz, assez simple, assez rudimentaire, mais bon, il n'y a pas besoin d'un truc de ouf hein, pour faire du drift, c'est top. Hein. Après, si vous voulez évoluer dans la discipline, rien n'empêche d'évoluer aussi la commande. Voilà, donc le châssis. Alors là, franchement, très très beau châssis. Avec des parties en carbone qui me semblent être du vrai carbone. C'est pas du plastique relooké en carbone. Vous avez beaucoup de pièces en alu. Donc voilà, vous avez le One Way comme je vous expliquais. La partie CS, donc c'est celle-ci. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Voilà, donc déjà, bon, je vois là, juste, je viens de l'ouvrir. Je vois un ou deux défauts qui me pètent à la gueule un peu. Donc bon, c'est pas méchant, c'est facilement bricolable et arrangeable, mais il y a rien de méchant, mais voilà, ça me pète un peu à la gueule. Donc voilà, vous avez un ESC brushless 70 ampères, ce qui va vous permettre de fonctionner en 3S ou 2S. Je vous conseille le 2S si vous êtes débutant, ça va vous permettre de vous faire la main. Après, vous pourrez passer en 3S. Il y a un moteur MST, alors. Le moteur, c'est un 3000 kV. Donc, c'est un bon compromis accélération pointe. Pour une drifteuse, on peut faire un petit peu mieux que 3000 kV. Mais bon, pour débuter, c'est top. Et je vois en plus qu'il y a un gros pignon. Donc, ça va pouvoir permettre de tirer long lors des dérives. Donc, ça, c'est pas trop mal. Le ratio, il m'a l'air d'être correct. Enfin, il m'a l'air d'être sympa. Je vois ça par rapport à la taille 88 dents pour la couronne, et je pense que c'est du 22 ou 24 dents pour le pignon. Donc ça doit apporter un ratio où on peut se permettre de tirer assez long pour pouvoir garder sa dérive correcte. Donc voilà, je vais venir sur les points un petit peu négatifs. On va commencer par ça, ouais, et après on verra les points positifs. Voilà, les points négatifs, c'est que je trouve que elle est bien agencée et foutre la batterie à l'arrière. Moi, j'aurais vu plus au centre parce que en fait, le centre de gravité, plus il est déplacé à l'arrière, plus la dérive, surtout avec un CS, plus la dérive va être
va être dur à contrôler. Donc là, vaut mieux mettre du 2S parce que c'est plus léger. Si vous mettez une grosse 3S en 7500 mAh, la voiture elle va être incontrôlable. Hein. Franchement, ou bien faut changer les gommes à l'arrière, mettre des pneus un peu plus tendres pour pouvoir compenser cette dérive. Parce que là, trop. Là, en fait, c'est bien d'avoir du poids à l'avant sur une drifteuse, mais là, en fait, moi perso, je trouve que c'est pas super. Il aurait fallu décaler, par exemple, le récepteur et le SC, les basculer à l'arrière et mettre la batterie au centre. Je pense qu'elle aurait eu un meilleur équilibre. Voilà. Donc après ça c'est mon point de vue. Il y a un autre petit point négatif, c'est que là la courroie elle a pas de tendeur, donc déjà elle nage pas mal. Faudrait fabriquer un léger tendeur, mais le souci encore, ça c'est pas grave, elle risque pas de sauter, c'est qu'elle vient toucher le moteur. Donc je sais pas si vous allez voir, la courroie en fait touche le moteur. Sachant qu'un moteur brushless en plus ça chauffe à mort, surtout sur une drifteuse parce qu'on est toujours dans les tours. J'ai peur que le frottement et la chaleur occasionnent une usure prématurée de la courroie. Faudrait faire une sorte de roulement par le dessous qui ferait tendeur et qui maintiendrait la courroie loin du moteur. Enfin, pas forcément loin, mais déjà pas contre le moteur. Voilà, je vais vous parler du CS à présent. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez deux petits pignons qui n'ont pas la même taille. Donc vous en avez un grand et un petit. Si vous avez déjà fait du VTT, du vélo avec des railleurs, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, la démultiplication du plateau, quand vous mettez les grands pignons, voilà, etc. Ben là, c'est le même principe. Donc si vous avez le petit pignon qui fait un tour, vous allez avoir le grand pignon qui fait un tiers de tour ou un demi-tour. Je ne sais pas c'est quoi son ratio, c'est pas marqué dessus sur celui-là. Je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, cette petite démultiplication en fait va permettre de faire tourner les roues arrière un petit chouille plus vite que les roues avant. Ce qui va avoir pour objectif en fait d'occasionner une dérive plus facilement sur les voitures qui n'ont pas de CS où les quatre roues tournent à la même vitesse. Il va falloir vraiment mettre beaucoup de gaz pour pouvoir l'envoyer en drift, alors que là, une toute petite pichenette, elle va avoir tendance à tout de suite partir. Et en plus, ça permet de, si vous voulez pas par la suite passer en deux roues motrices, ce qui est le top en drifteuse, deux roues motrices arrière, c'est de vous familiariser un petit peu avec cette dérive importante de l'arrière. C'est pour ça que j'expliquais que le coût de la batterie, en plus du CS à l'arrière, c'est peut-être... C'est moyen. Après, je m'avance peut-être. Hein. Moi, je ne l'ai pas piloté encore. Je l'ai juste vu en action. J'ai vu que c'était un bon modèle. Après, à voir au pilotage, pour un débutant, est-ce que ça peut être intéressant? Bon, de toute façon, si c'est dur, hein, on s'adapte et on apprend. C'est comme ça qu'on devient bon. Hein. Donc voilà, je parlais des pièces carbone qui sont du vrai carbone. Le moteur 3000 kV qui m'a l'air d'avoir un excellent ratio. Amortisseur bien, mais c'est pas non plus voilà, il n'y a pas de quoi se jeter par terre, c'est du plastoc, mais ils ont l'air de faire le taf. Un petit peu souple, je trouve, pour une drifteuse, faudrait qu'il soit un petit peu plus rigide, mais ça se règle tout simplement en changeant l'huile. Il n'y a pas besoin de faire un tas de choses. Les jantes qui sont très très jolies, ça ressemble un peu à des Momo, je sais plus le nom, je crois que c'est Momo Racing. Elles sont très belles, vous avez des enjoliveurs, enfin des faux disques avec étrier à l'intérieur, ce qui apporte une touche de réalisme. Ça, c'est magnifique, ça, quand la carrosserie est posée dessus. On va essayer. Ah, mais les trous ne sont pas faits. Ah, ça, c'est chiant, ça, par contre. Ça, c'est une connerie, ça. Ils auraient pu faire les trous, vu qu'elle était peinte. Ça, ouais, j'ai pas fait gaffe, donc voilà, les trous ne sont pas faits. Alors, en général, percer la carrosserie après la peinture, c'est pas top, quoi. Vous avez intérêt à avoir de très bons forêts qui coupent bien, sinon la peinture, elle va voler en éclats. Donc, faites gaffe aux forêts que vous utilisez si vous prenez ce modèle RTR, quand vous ferez les trous dans la carrosserie. Ils sont déjà pré-indiqués, vous avez des petits points, là, je sais pas si vous allez voir... Vous avez des petits points qui vous indiquent où percer. Ça, c'est bien, mais en général, sur une carrosserie, on fait les trous avant de la peindre. Maintenant, je vais vous parler du One Way, cette petite pièce-là qui est à l'avant.
Donc, comme le CS, hein, c'est en général sur certains modèles, c'est des options. Surtout le One Way, hein, même Sakura, la Sakura, ça c'est en option, il n'est pas d'origine. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette pièce d'origine. Donc, ça c'est une pièce vachement bien dans le drift parce que ça permet, en fait, quand vous lâchez les gaz, de mettre les roues avant en roue libre, ce qui permet d'avoir un frein moteur que à l'arrière et ça fait un peu effet. Coup de frein à main en fait. Si vous êtes sur une bonne surface qui glisse bien avec des bons pneus drift comme ceux-là qui ont l'air vraiment bien, vous lâchez un peu les gaz, vous allez voir les roues arrière se bloquent un peu et vous allez comme si vous avez tiré un frein à main et ça met les roues avant en roue libre. Vous n'avez plus de traction ou de frein moteur sur les roues avant et ça c'est vraiment vraiment cool à prendre en main, à maîtriser. C'est un peu compliqué mais une fois que vous savez jouer avec ce truc-là, franchement vous éclatez, vous la mettez en dérive, vous faites ce que vous voulez. Ça vous permet de faire des passes en dérive très très précises. Je ne sais pas si vous avez vu certaines vidéos sur YouTube où les mecs vraiment passent à 5 mm d'un petit panneau ou d'un mur. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la précision. Donc c'est grâce à ce genre de pièces que vous pouvez vous permettre ça. Par contre, oui, c'est un petit peu compliqué à maîtriser au début, mais je veux dire, rien ne se fait en un jour. Si vous voulez vraiment persister dans le drift, c'est comme dans toutes les disciplines, le TT, le crawler. Si vous voulez être bon, faut vraiment. On peut pas déchirer la baraque dès que vous mettez la première utilisation, dès que vous mettez une batterie. Donc voilà. Pour moi, c'est une vraie drifteuse qui n'a rien à envier aux grandes marques style Yokomo, à part le prix. Elle est beaucoup moins chère. Donc vous avez un châssis très très simple, très très joli. Il n'y a pas besoin de fioritures. Ça vous permet d'adapter pas mal de carrosserie là-dessus. C'est un empattement standard, comme beaucoup de drift, pistes. Ouais, c'est 256, 256. Voilà, c'est assez standard pour les carrosseries. Donc vous n'avez pas à vous emmerder de ce côté-là. En ce qui concerne la direction, un bon angle de braquage, mais bon, je vois qu'on peut le bidouiller un petit chouïa. Voilà, là vous avez des genres de tampons. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra des petites butées en fait qui vont venir bloquer. Là, on peut les limer un petit peu pour gagner quelques millimètres de braquage, mais pas trop parce que je vous rappelle c'est une 4 roues motrices. Si vous braquez trop, vous risquez de faire sortir les cardans de leur logement. Et voire même de les détériorer. Donc, mais je pense qu'il y a moyen de gratouiller une petite pichenette pour augmenter légèrement l'ouverture de la direction, mais qui est déjà vraiment vraiment bien. Bien sûr, ça se comporte pas comme le Sakura en 2 roues motrices qui met carrément les roues avant à 90 degrés. C'est vrai qu'avec ce genre de système, les roues qui se mettent quasiment à plat comme ça, on peut beaucoup mieux contrôler ses dérives. Mais après, moi je trouve qu'au niveau réalisme des voitures qui mettent les roues à 90 degrés, même les très très grandes drifteuses qu'on peut voir sur les chaînes câblées du sport, franchement, moi j'ai jamais vu une voiture qui met les roues à 90 degrés. Donc si on veut rester dans le réalisme, c'est vrai que ça c'est assez sympa. On reste bien dans le réalisme. Donc voilà, que vous dire de plus? Donc tout est préinstallé, hein, vous n'avez pas à vous faire chier. Il y a quelques petits trucs à mettre. Comme là, vous voyez, il n'y a pas les biellettes de direction, elles ne sont pas installées. Donc vous devez les avoir quelque part dans un sachet, je ne sais pas où. Ah, c'était peut-être ça le sachet du début. Donc il faut les relier aussi au cerveau qui lui. N'est pas connecté encore à la direction. Le cerveau, c'est un Futuba S3003, donc c'est du plastique, hein, c'est pas un cerveau métal. Je sais pas ce qu'il donne en rapidité. Qu'il soit en plastique sur ce genre de RC, c'est pas trop grave parce qu'il n'y a pas trop de résistance réellement sur la direction. Maintenant, faut voir ce qu'il donne en rapidité parce que c'est important d'avoir un cerveau très très rapide en drift et très précis. Voilà, j'ouvre le petit sachet. Donc, ça c'est un outil. Alors il me semble que c'est pour démonter les roues. Voilà, vous avez le démonte-roue qui est assez original par rapport aux autres. Vous avez les deux élastiques qui vont vous permettre de fixer la batterie. Voilà, et ça je suppose, ouais voilà, c'est les éléments en fait avec de l'outillage, c'est les éléments
de direction, les biellettes. Donc il va falloir installer. Bon, pour les réglages, là, à vue d'œil, j'ai l'impression que l'angle de chasse des roues arrière est différent d'une à l'autre. Faudra vérifier ça parce que c'est important dans le drift de bien régler la chasse et le carrossage pour avoir enfin, jouer entre l'adhérence, le grip et la glisse pour pouvoir avoir un bon pilotage. Vous avez des petites biellettes là pour régler ça. Même au niveau de la direction, vous pouvez mettre du pincement à l'avant. Après, c'est selon le pilotage de chacun, selon les pneus que vous allez mettre, selon si vous changez le combo. Tout ça, ça s'adapte. On met pas ça au pif. Mais déjà, je pense que d'origine, testez, vous verrez vos réglages après. Ou faudra voir avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en drift. Ouais, pour finir, voilà, juste je vais vous dire. Moi, je pense que ça semble logique. Il n'y a pas de différentiel, bien entendu, sur les drifteuses. Hein. C'est comme les crawlers, vous avez des ponts, enfin des transmissions bloquées. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions que vous vous posez, des petits points sombres que je n'ai pas abordés, n'hésitez pas à me poser la question en com. Pour la conclusion, pour moi, excellent rapport qualité-prix. Quand je pense que vous avez des kits simplement de même qualité chez d'autres marques, sans électro, sans commande, sans moteur, sans rien, sans même le one-way, pour le même prix. Moi, je trouve que même, je disais au début que c'est idéal pour un débutant, mais franchement, même pour un pilote confirmé en drift, je pense que avec 2-3 petits upgrades, hein, comme je vous ai dit, le coup de la courroie ou les petites conneries d'équilibrage, après à voir, hein, c'est moi qui m'avance sur l'équilibrage, peut-être je dis des conneries, ça se trouve elle est hyper bien équilibrée, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas testé en fonctionnement, mais pour moi, à vue d'œil, là, faut pas mettre trop gros en batterie à l'arrière parce que franchement, elle sera inconduisible. Voilà, donc combo assez de bonne qualité. Non, franchement, pour le prix, c'est une super machine. C'est du plaisir garanti. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.